Well, then we'll move to the next block, which is the presentation of Bertrand Piccard from Solar Impulse Foundation. So I kindly ask the now speakers, you can move down. Mm-hmm. And the next speakers for the next block, please, during the video, come up to the stage. Thank you very much. Bonjour à tous et à toutes. Avec votre événement organisé à Lausanne, je m'étais dit, eh bien, au moins je pourrais participer. Eh bien non, je suis à Paris. Donc désolé de m'adresser à vous par vidéo. La dernière fois que nous nous sommes parlé, c'était pour célébrer le partenariat entre Waterpreneur et la Fondation Solar Impulse. Et au moment de ce partenariat, j'avais annoncé que notre but, c'était de sélectionner, d'identifier partout dans le monde 1000 solutions qui seraient financièrement rentables pour protéger l'environnement. Alors, les promesses, c'est bien. Quand on les tient, c'est encore mieux. Donc maintenant, je peux vous dire que nous avons réussi. Il y a des solutions de Waterpreneur, beaucoup de solutions de l'eau, mais aussi des solutions pour l'industrie, pour l'agriculture, pour la mobilité, pour l'énergie, pour les constructions. Et en tout, nous avons atteint 1150 solutions, donc exploser la barre des 1000 solutions symboliques que nous avions fixées. Alors, c'est des solutions qui permettent d'être plus efficients, qui permettent de protéger l'environnement, qui permettent de créer des emplois, qui permettent l'économie circulaire, qui permettent de l'efficience partout, même dans la gestion des déchets. Donc, forcément, dans un événement comme le vôtre, c'est un nombre de solutions qui vont pouvoir vous être utiles. Et je sais que certaines de ces solutions vont pitcher et se présenter elle-même à votre événement. Alors, la protection de l'environnement financièrement rentable, c'est quelque chose qui pour moi est très très important parce que ça permet d'inclure beaucoup plus d'acteurs. Tant que nous sommes entre nous, entre passionnés de la protection de la nature, c'est bien, mais ça ne va pas assez loin. Donc, j'aimerais réconcilier avec ces solutions l'économie et l'écologie, ramener le plus possible d'industrie, le plus possible d'investissement, de manière à ce que le monde politique se dise que si tous les acteurs se mettent d'accord de l'écologie à la finance, eh bien on va pouvoir passer à la modernisation des réglementations. C'est très important, la modernisation des réglementations, parce qu'aujourd'hui, il est toujours légalement permis de mettre autant de CO2 qu'on veut dans l'atmosphère, autant de plastique dans les océans, autant de produits chimiques dans l'eau, dans les sols, dans la nourriture, et ça doit changer. Donc si on montre que c'est possible, si on montre que c'est financièrement rentable et que ça crée des emplois, je pense qu'on rallie beaucoup de monde autour de nous. Donc voilà dans quel esprit je remercie Waterpreneur de la participation active de ses membres à ce défi de la Fondation Solar Impulse. Et bien sûr, un clin d'œil à mon ami André Hoffman qui, à travers son association Intent, permet à cet événement d'avoir lieu. Donc, bon événement à tous et j'espère la prochaine fois physiquement sur place. Okay, I guess thank you very much, Bertrand Piccard. We can give him a clap, although he won't hear it. But nevertheless, I think a very valuable and exciting input. So with that, we'll move into the next block, where we have two speakers here present and three speakers online. And without any delay, I think we can just start. We start with Luigi Nograsso.